Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec donc une séance qui confirme un petit peu l'impression que nous avions hier soir, à savoir ici un échec de franchissement ici des zones techniques majeures, à savoir ici la zone de gap et la moyenne mobile 20 exponentielle. Et bien après avoir marqué un contact ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, on revient ici ouvrir sur un gap baissier aujourd'hui et une bougie d'hésitation, puisqu'après cette séance, le CAC 40 clôture à 4853.70 et perd 0,88% par rapport à la clôture de la séance d'hier. Donc il s'agit bien d'un échec ici de franchissement. Le CAC 40 confirme ici sa configuration technique de dynamique baissière, avec donc une impulsion sur la bande de Bollinger inférieure, un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, suivi d'un possible retour ici à un mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, le CAC 40 se place ici dans une configuration qui reste légèrement haussière. La trajectoire de sortie du RSI de sa zone de survente est toujours en cours et les histogrammes du MACD évoluent toujours d'une manière positive. Mais on sent ici que la conviction n'y est plus, même du point de vue de ces indicateurs, avec des volumes qui restent toujours dans la moyenne. Alors par rapport justement à cette configuration, on a vraiment l'impression que quelque chose a été manqué sur cette semaine. On avait donc, suite au contact ici, cette zone des 4740 points, un rebond technique qui évoluait. Et jusqu'à hier, où je vous disais ici qu'on avait effectivement un petit signal de faiblesse, mais des points hauts et points bas supérieurs à la bougie précédente, on avait toujours cet élan haussier qui aurait pu nous emmener ici jusqu'à la zone des 4980 points. Pas du tout, au contraire, après avoir clôturé sur la zone ici des 4897, on refranchit cette zone sur un gap baissier. C'est vraiment le cas, puisque nous avions ici eu un premier franchissement ici sur cette zone de gap, et nous avons un ici sur une deuxième zone, alors que même le premier gap ici n'a pas totalement été comblé par cet ensemble ici de points hauts. Donc on refranchit ici la zone des 4897 sur un gap baissier, c'est dire si cette zone est majeure après avoir été support hier, et donc on inscrit ici une dynamique plutôt baissière. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue hebdomadaire de l'indice parisien, avec donc cette configuration confirmée à la baisse sur la vue hebdomadaire, puisqu'après avoir ouvert en légère hausse, on a enfoncé le point bas de la semaine dernière pour venir chercher l'objectif. Ici, il y a une extension de Fibonacci sur la précédente phase de rebond technique. Donc actuellement, nous sommes toujours sur cette configuration, des cours ici qui sont venus chercher la zone puis qui ont rebondi, mais on le voit au regard de ce qui s'est passé la semaine dernière, on a une bougie de rebond qui est très très faible, et sans cassure haussière ici et significative de la zone des 4897 points, on a effectivement au mieux ici une phase de temporisation autour des 4810 points. Du point de vue des indicateurs, nous sommes plutôt par contre sur une dynamique de retournement sur le MACD qui est très hésitant, mais dans sa partie inférieure, ce qui montre ici que la dynamique est clairement baissière, mais avec l'histogramme ici qui redevient bleu, ça donne l'espoir d'un possible développement de mouvement haussier qui pourrait donc aller plus loin qu'un retournement de tendance vu l'amplitude ici que nous avons sur les histogrammes. Et puis lorsque l'on regarde ces histogrammes ici, la succession de points bas ne se retrouve pas ici dans la succession des histogrammes du MACD. Attention, nous avons peut-être un début de divergence haussière sur cette configuration. Le RSI reste en zone neutre. Alors la semaine prochaine, d'un point de vue hebdomadaire, ce qu'il conviendra de surveiller, c'est la zone des 4738 points. Si on casse cette zone, on valide la poursuite de la dynamique baissière relativement forte, puisqu'on n'a même pas actuellement de contact sur les moyennes mobiles d'un point de vue hebdomadaire. Et puis, si les cours ici rebondissent, et notamment s'ils reviennent sur la zone des 4897 points, là, on pourra miser sur un rebond technique
un peu plus puissant avec potentiellement 4980 puis 5060 qui seraient en objectif de mire. Donc voilà les signaux qu'il faut supporter, enfin qu'il faut surveiller, pardon, la semaine prochaine. Donc d'un point de vue daily, on voit que tout se joue ici entre 4810 et 4897 points. La zone des techniques ici est 4897 points est une zone majeure. Il va vraiment falloir la surveiller car c'est elle qui donne les orientations actuellement. Par contre, si les cours cassent ici à la zone des 4810, on sera avec un objectif direct ici sur la zone 4738-4729 qui, en cas de rupture, eh bien, validerait la possible poursuite du mouvement baissier entamé depuis maintenant quelques jours, voire quelques semaines. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.